C'est incroyable, ça fait plaisir. C'est une belle journée. Et voilà, c'est le fruit de tout un travail depuis longtemps. Et puis voilà, depuis septembre, on nageait un peu dans le doute. Mais je sais que tout ce que j'ai produit cette année, même s'il n'y avait pas que de l'or, bah, c'est pour être prête sur ce genre d'événement. Et là, j'ai prouvé que voilà, je savais être présente quand il le fallait. J'étais là aussi pour bien évidemment gagner, mais avec la manière. C'est ce que je m'impose un peu comme thème cette année, on va dire. Voilà, j'aimerais connaître de plus en plus mes adversaires jusqu'à voilà, arriver à mettre des hippons à chaque fois et sortir de match en pas longtemps, un peu comme les grands champions. Et voilà, c'est cool, j'ai réussi à mettre en place plein de choses. Je suis contente. J'ai l'impression que voilà, d'avoir ce statut-là, j'essaye de le vivre différemment avec j'espère avoir une certaine assurance et une certaine confiance en moi qui me permettrait de me libérer encore plus. C'est un peu la même chose dans le sens où quand on est l'outsider, on se lâche un peu en fait, on lâche les chevaux, on n'a rien à perdre. Et bah, là, voilà, faut apprendre à avoir cet état d'esprit-là, mais différemment parce que bah, c'est plus le cas. C'était une très bonne journée. Je pense que voilà, il y a eu des combats, notamment la demi qui a été difficile. Mais j'ai su être forte et rien lâcher sur cette journée. Globalement, si je vais la regarder de l'extérieur, je pense que c'était pas que j'étais bien, mais de l'intérieur, c'est vrai que je ressentais un petit peu de fatigue, puis un peu d'impatience parce que je fais deux mouvements où c'est pas trop loin, il n'y a pas de pénalité, on part en golden score, je suis un petit peu à la ramasse sur une séquence, enfin sur quelques séquences, à un moment j'ai comme un petit trou et elle en profite. Et j'ai su un petit peu me remobiliser et passer le cap parce que des fois j'ai ce genre un petit peu de défaut. Et j'essaye d'apprendre à surtout rien lâcher, même quand j'ai l'impression de douter. Je sais que je suis bien, même si je le ressens pas de l'extérieur, ben les coachs ils sont là pour nous faire comprendre qu'on est bien. Et voilà, j'ai rien lâché, j'y suis allée jusqu'au bout. Je pense qu'on est une très belle équipe, une équipe forte, attendue par de nombreuses filles. Et je pense que oui, voilà, là j'ai un peu lancé le compteur. Je suis contente, j'espère que ça va reproduire la même chose après. Voilà, on a deux finales, c'est génial. Et oui, voilà, on est maintenant une très belle équipe de France et je pense depuis longtemps c'est comme ça et j'espère que ça va continuer et qu'on sera encore meilleurs. Comme je dis, j'ai envie d'être prête sur ce genre d'événement important. Les championnats, c'est là où il y a les titres. Donc je veux être prête pour cet événement-là. Aujourd'hui, je l'ai été et je veux être aussi prête pour les championnats du monde et ramener le titre.